Cher ami dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, bonjour. Ce matin, c'est un plaisir de vous retrouver encore au bord de la table spirituelle afin qu'on puisse prendre ensemble une tasse café chaud spirituel. Je vous rappelle, c'est la prière matinale qui est rentrée chez vous avec votre serviteur et ami, Pasteur Lazare Benson, qui est là pour vous servir. Qui a-t-il d'ouvrir le livre? Qui est capable de voir le celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, oui. Comme vous le savez fort bien, chaque matin, avant de prier, nous faisons toujours une petite méditation. Question de bien orienter notre cœur dans ce que nous allons faire. On dit que prier, c'est un acte de foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouvrez avec nous votre Bible dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13, pour arriver au verset 17e. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cher ami dans le Seigneur, le petit thème autour duquel nous allons méditer ce matin, prenez le casque du salut. Quand vous éprouvez du ressentiment, une véritable guerre fait rage en vous. Vous luttez contre vous-même et contre les autres. Et plus vous combattez, plus vous perdez de terrain. Ce qui fait des froids, vous êtes confus de ce qui se passe vraiment. Alors, il est important de savoir quand vous êtes réellement attaqué et quand vous ne l'êtes pas. Des fois, les attaques du malin consistent à perturber notre esprit à travers des idées qui passent dans la tête. À un niveau tellement exagéré, on marche avec Dieu avec sincérité. Pourtant, on doute de son salut sans même avoir le sentiment de péché, se sentir indigne d'être accepté en sa présence. Et ces idées arrivent toujours comme des balles qui nous frappent à la tête. Dans le combat spirituel, écrit Paul aux Éphésiens, pour bien préciser le verset 17e du chapitre 6, aucun soldat des temps bibliques ne serait parti à la guerre sans un casque pour protéger sa tête des blessures mortelles. Cependant, pourquoi Paul fait référence au salut comme le casque du chrétien? Et quelle est l'importance de ce casque? Je vous rappelle, dans les jours passés, on a vu ensemble les armures précédentes, à savoir, on a vu le ceinture de la vérité, cuirasse de la justice, bouclier de la foi et botte qui donne l'évangile de paix. Et ce matin, nous allons voir ensemble le casque du salut. Maintenant, comprenons ensemble ce que cela veut dire le salut. Le salut, c'est le moyen que Dieu utilise pour sauver l'homme de la peine du péché par la justification, de la puissance du péché par la rédemption, de la pollution du péché par la sanctification et de la présence du péché par la glorification. Maintenant, on nous considère sauvés de la peine du péché par la justification. Il a dit dans Romains 5, le verset 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Pour mieux comprendre, qu'est-ce qu'une peine, ou bien je dirais pénalité? Une peine, selon le dictionnaire Larousse, c'est une, je dirais, sanction appliquée à titre de punition pour une action jugée répréhensible. Moi, je connais l'histoire de un confrère qui était le général en Haïti, et puis confrère ça, il était gagné un cob que il était doué un policier. Et chaque fois policier a voyé des monsieur, il pas jamais cache monsieur.
et on bon l'un, policier après un revolver, il mettait Borel, il dit c'est dernier jour pour le cas tuer Genel. Genel rentre dans la cale, il ferme toute porte. Genel fait près de 4 ou 5 jours, il part chambre prend la rue, même travail que le parle travail, il plutôt perd du job là, parce que il peur pour ne pas contrer avec le policier, pour le policier pas tuer. Et puis, il y a un monsieur qui habitait dans un nom, qui est monsieur Mario. Monsieur Mario descend, il tend de Genel qui est problème, non, il descend sur la cale, il a le coup de Genel. Il demande Genel, expliquez-moi ce qu'il y a. Genel expliquez ça, il y a. Et puis, monsieur Mario dit, font titre, même m'a venu. Et puis, monsieur Mario descend là, le cas policier, là, il pose la question, le policier expliquez lui ça qui passe. Et puis, monsieur râle et bousse lui. Et puis, il comptait tout comme Genel était doué, policier, et puis, il paye. Après, monsieur Mario retourne dans le cas Genel, il dit, Genel, où m'a sorti, pas besoin de cacher encore. Parce que, moi, payé, Kob ou loué, ya. Et Genel content, li pas trop comment t'as pral faire pour le payer comme ça. Et li ouais, non, qu'il a mort que monsieur Mario retiré. Donc, c'est même bagarre là que Jésus Christ fait sur la croix. Adam t'es péché. Et Bible a dit, seule offense Adam, seule désobéissance Adam, li également déclenché une pénalité, ou bien je dirais, une sentence pour toute l'humanité, pour toute génération qui vini, pour toute descendant qui vini. Mais cependant, dans le temps passé, la Bible dit, lorsque on monte commettre une infraction, il a fallu que, ou t'es payé à travers un sacrifice qu'on t'es offri. Soit peut-être, ou nous t'es offri un holocauste. Soit peut-être, nous t'es présenté l'autre type de sacrifice. Fils devant l'Éternel. Mais en réalité, la Bible dit le sang des boucs, le sang des taureaux, pas suffisant pour qu'à obtenir amen, la grâce de l'Éternel ou bien la faveur de Dieu. Et Dieu comme étant un Dieu compatissant, un Dieu d'amour, mais qui est aussi un Dieu de justice, lui pas violer justice libre pour l'amour, lui pas violer l'amour pour justice libre. Maintenant, Dieu pral fait un plan, un plan de ré, un plan amen, pour le capable sauver l'homme, un plan pour le capable permettre que l'homme qui a payé caution, l'homme qui a payé dette que le gain, à savoir, nous pas besoin d'acheter bouc encore, bœuf pour nous tuer encore, nous pas besoin mouton encore pour nous capable tuer. Notre Seigneur Jésus, il descend sous la terre, amen. Il sacrifie ville, il baille ville en rançon et puis il dit Lazare, ou pas gain l'amour encore sous terre tout. Lazare, ou pas doué encore. Lazare, ou pas doué encore. Et puis il dit sœur untel, frère untel, pasteur untel, bien-aimé untel, nous pas doué encore parce que payer, amen. Nous payer. Et ça que fait là, lorsque nous chantons, nous dit, nous payons l'argent pour nous payer. Nous payons l'argent pour nous payer. Nous payons un dollar pour nous payer. Nous payons déjà. Gloire à Jésus. Eh bien, notre deuxième chose que nous avons abordé, c'est la puissance du péché. Donc, délivrer de la puissance du péché. En réalité, nous n'avons rien qu'on comprenne. Nous délivrer de la puissance du péché par qui ça, hein? Par la rédemption. Le mot rédemption, rédemption, il sortit d'un mot latin qui c'est rédemption, qui signifie rachat. Rachat, c'est un concept théologique du christianisme qui met l'accent sur l'aspect divin du mystère du salut de l'homme. Dans Romains 3, le verset 23, la Bible dit « La rédemption du Christ nous a délivrés de toute culpabilité. » Nous devons comprendre en réalité. C'est comme si nous étions capables d'arriver devant un juge. Mais de place que nous arrivons devant un juge, l'homme, et puis il fait jugement, et puis le juge là, il dit carrément que où doit aller en prison, ou bien en réalité, ou qu'on caution pour payer. Eh bien, il se présente que pendant que juge là, lui a préparé pour le capable en réalité, fait que il ferme nous dans prison, et puis il y a un monde qui était campé dans foule là, et puis il paraît, et puis il levait mais pour le cas défendre nous, et puis il dit m'a défendre Lazare, m'a défendre frère Intel, m'a défendre sœur Intel, m'a défendre amen pasteur Intel, et puis lui campé comme avocat, et puis toute exigence qui était gagné pour faire, il remplit exigence ça, il répond avec exigence ça, et puis il rachète, amen, il rachète qui était perdu, il rachète moins avoir qui pas supposé là, mais il rachète nous. Mais non seulement que notre Seigneur Jésus par son salut, il délivre nous et même de la puissance du péché, mais il parle aussi, amen, délivre nous de
pollution du péché. En réalité, il est dit dans la parole de la vérité, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40, il dit, cette génération est perverse. Cette génération est perverse. Et il fait un appel à ce que nous prenions des précautions, nous-mêmes qui vivons dans une génération qui pervertit à un niveau de proximité que nous pas qu'à même expliquer. Dans Hébreux 10, le verset 10, il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Amen. Nous devons comprendre en réalité, nous vivons dans une période côté l'immoralité partout. Vous comprenez l'immoralité dans tout coin, partout quand on passait, la terre sale, la terre vient devenir une situation qui est vraiment terrible qu'auparavant, la terre polluée, la terre vient contaminée. Mais cependant, le sang de Jésus, amen, le sang de Jésus est là pour nous sanctifier. En réalité, nous devons prêcher un programme dans l'église, et puis l'aime arriver sous chair, et puis si j'aime d'après le traité, il y a un rapport avec la sanctification. Et puis, m'en est bien aimé, yo, m'en dit l'église, combien de monde qui l'a qui sauvé, m'en pas levé, mais m'en dit combien de monde qui l'a qui sanctifié, pas comme monde qui levé, mais m'en dit qui s'est passé qui fait pas sanctifier. Et puis, m'en dit, bon, pasteur, pas qu'il y a monde qui saint, n'a pas fait effort. Pourtant, en réalité, lorsque m'en accepte Jésus, ou pas saint en action, mais ou sanctifié en position. Donc, positionnellement parlant, Jésus sanctifié. Maintenant, il faut que ou conserver sanctification, dans persévérance ou dans marche avec le Seigneur. Nous ne sommes pas sanctifiés à cause de nos bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sanctifiés à cause de nos comportements qui sont agréables. Mais nous sommes sanctifiés à cause de l'action, amen, posée par Jésus sous la croix, en versant son sang, en donnant également sa chair, son corps, pour être meurtri, pour nous donner la vie éternelle. Donc, en réalité, non seulement la Bible dit, dans Hébreux 10, le verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Donc Jésus baille la ville, li baille tête li pour nous, en sorte qu'il est capable sanctifier nous. Mais il fait des provisions dans les temps à venir, des provisions et même de glorification. Laisse ça, nous pral priver à 100% de ça qui est les péchés. Dans Éphésiens 1er verset 5 à 6, il dit, il nous a prédestinés à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, parce que nous célébrions la gloire de sa grâce. Et dans 1 Corinthiens 13, verset 10, il dit, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. En vérité, laissez-moi faire comprendre, qu'il y a un jour qui est venu, souffrance nous est pour le fini. Nous ne pouvons pas souffrir encore, être dans ce corps charnel. Nous ne pouvons pas avoir tentation encore. Nous ne pouvons pas gagner rien, la cap la caille nous, encore cap faire nous souffrir, dans corps ça. Parce que nous pouvons vivre dans quoi qu'il est, un corps qui est incorruptible, un corps qui n'est pas capable de mélanger avec péché. Il y a un corps, en réalité, qui pape jamais dans péché, mais il y a un corps qui peut vivre dans sainteté l'éternel. Alléluia. Il y a un corps qui peut dans sainteté l'éternel. Et là, ça, c'est qui va nous parler? Nous parlons dans la nouvelle Jérusalem. Nous parlons dans la présence du Seigneur. Amen. Nous parlons la caille, mon Dieu. Côté bon Dieu, l'a préparé en place. L'a préparé en place. En sorte que nous-mêmes, comme étant petit garçon, là, avec petite fille, et puis Bible a dit, l'idée pour retourner, amen, pour les venir chercher nous, et puis pour aller dans le ciel là, avec petite garçon, petite fille, et puis pour la vivre avec nous, pour le temps et l'éternité. C'est ça qui fait, il dit, dans Apocalypse 19, le verset 11 à 16, il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu de vêtements teints de sang. Et même son nom est la parole du Seigneur. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, amen, revêtis, amen, de fêlé blanc pur. Verset 15, il dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il les foulera de la cuve du vin l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et puis, verset 16 là, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Amen. Et puis, il dit dans Apocalypse, je crois, chapitre 20, le verset 20, chapitre 20 à 22,
Bible a dit, la nouvelle Jérusalem qui parle descend sur le ciel là, côté que nous parle habiter, pas de maladie encore, pas de stress, pas de mortgage pour nous payer, amen, pas de comprendre stress encore, pas de la peur, pas de criminalité, pas de dette, pas de rien encore, nous parle seul maintenant féliciter mon Dieu. Elle est belle, ça prend belle. Je dis à l'heure, au côté arrêté, qui m'a dit qu'à un petit chien, on va côté arrêté, les cas peut-être habiter dans le basement, les cas peut-être habiter dans un endroit qui pas tellement fréquentable, les cas habiter dans un corridor, un côté moun pas qu'à entrer, mais cependant, nous qui pour nous sortir dans le corridor, pour nous vivre nos châteaux, nous qui pour nous sortir dans le basement, pour nous vivre nos châteaux, ou qui pour nous sortir dans le caille côté, on paye bien cher, et puis moun pas même qu'à virer là-dedans, pour nous vivre dans l'air, nos châteaux, Bible a dit nous pouvons marcher sur des pierres précieuses, n'a marché sous al, n'a marché sous diamant, n'a marché sous chrysolite, n'a marché sous celle de pierres précieuses, que Dieu pour que j'aime, que Dieu pour que j'aime, image ça pour que j'aime paraître dans l'esprit de l'homme, et ça qui fait moi avoir, n'a qu'aimé ça lui, qu'aimé le diamant, même si diable la voulait attaquer, l'a tiré des flèches dans tête, flèche ça ou qui ça ou est, n'a pas me comprendre, si m'a pas dit flèche, n'a pas tiré des ballons pour essayer de la frapper ou dans tête. Donc en réalité, qui ça y a constitué, n'a pas me comprendre que casse là, yon casse, c'est yon m'a dit chapeau métallique qui dehors s'est fait, et puis en dedans il s'est éponge. Lorsque soldat mettait dans tête li, sou t'a tiré un coup de boule, ou bien t'a tiré un roche, l'a frappé également dans casse là, mais le pape casse tête li parce que tête au monde, c'est un bagage qui est vulnérable. Et bien qui semble dit pas là, le diable, gonsègue de paroles, amen, ou attendez, c'est des paroles sous qui t'es rentré dans maillot, il a qu'à déranger l'esprit, ou gonsègue de bagage, ou attendez, sous qui t'es bagage, ça fait effet dans l'esprit, ou il a qu'à déranger. Et ça qui fait ou besoin veiller, veille avec moun kap bon conseil, veille avec moun kap vin moutre yo bien avant, et puis kap vin jouer dans maillot, veille avec moun kap vin détacher sous mon Dieu, veille avec moun kap vin di ou comprendre on sait le bagaille, et puis ça moun di yon, li font effet sous la vie, ou, et puis la détacher sous mon Dieu, et puis c'est wow, ou parle mal l'église encore, ou pas ka la prière, ou pas capable chercher mon Dieu, m'a mande gen moun fois détacher, sou moun nan tout sal vle di ou li vle prendre avantage sou, li kon kote vle rive avant, détacher, sou moun nan même si le bord des opportunités, la fois des offres, la bord des bagailles pour essayer qu'à tenter, détacher, parce que au grand ciel à gagner, au grand l'enfer à épargner. Dans mon comprendre matin, dans le prêcher dans l'assemblée également, nous camper dans l'assemblée, nous poser tout le monde question, nous dit est-ce que nous sauver, en vérité sous des crèmes, nous t'es saisi pour moi, même sous chair, nous pas jeune monde lever mais qui dit sauver, et puis me lever même dit moi-même moi sauver, pour qui ça me dit me sauver, Jésus t'est mort pour moi une fois pour toutes, et il dit de me croire en nom, m'a donné la vie éternelle, donc c'est pour me croire que me sauver, maintenant m'a arrêté d'en sauver, donc c'est pas l'aimer rivé me qu'on me sauver, si c'est l'aimer rivé me qu'on me sauver, nous déjà dans l'enfer, donc nous dit assemblée là, si c'est lorsque Christ tourne et là ça la connaît que nous sauver, à ce qu'il parle tout dans l'enfer, si vous voulez connaître si vous sauver, c'est depuis qu'on y a checké la vie, si vous voulez connaître si vous sauver, c'est depuis qu'on y a pour connaître, est-ce qu'on prêt pour aller, c'est comme si son monde qui va le voyager mais il pas même garde passeport pour le, est-ce que le passeport qui visa, mais si visa pas expiré, mais en réalité nous doit la croire moi, où doit mettre ça dans tête tout, de pour sauver, de pour qu'on la vie avec mon Dieu, ou doit camper devant tout le monde pour dire où sauver. Donc en réalité apôtre Paul fait mention de amour ça casse là pour protéger. Tenez bien, pour protéger c'est pas contre roche capturé, mais c'est un casse invisible. Lorsque il y a des vieilles idées qui viennent dans l'esprit pour détacher sous mon Dieu, vous comprenez, ou besoin garder serré, mettez casse là dans tête tout, et puis pour idée pas qu'à rentrer. Lorsque il y a monde qui veut fort douter de salut, garder serré casse là dans tête tout pour vivre ça dire pas rentrer dans maillot. Lorsque il y a monde qui veut décourager, garder serré casse dans tête tout en sorte que ça dire pas décourager. Nous le comprenons, nous avons l'enfer à épargner, nous avons ciel à gagner. Le Seigneur Jésus fait provision, s'il fait provision pour moi, il fait provision pour vous, voulez pas voulez, d'accord pas d'accord, faut nous sauver. Même si il y a monde qui a joué qui voulait pas sauver, mais moi avoir faut nous sauver. Même si il y a monde qui a bêtisé, mais moi avoir faut nous sauver. Même si il y a monde qui pas prend précaution, mais moi avoir faut nous sauver. Même si il y a monde qui a chuté aller, mais moi avoir faut sauver, faut nous sauver. C'est vite la campagne, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous pas accepter Jésus pour nous perdre, mais n'accepter Jésus pour nous gagner la vie éternelle. N'accepter Jésus pour nous aller dans le ciel. Accepter Jésus pour nous capables ouer le salut. Donc en réalité dans le combat que nous avons mené, le diable compte toute façon pour le faire, pour l'attaquer. Qui a conseillé au monde baou, c'est le diable qui voyait le baou. Qui bagaille au monde dit, c'est le diable qui voyait le baou. Qui a offre au monde faire. Et puis ça monde doit jouer dans maillot, lui dit toute qualité belle parole pour jouer dans maillot. Pour voir s'il a atteint. Attention ma sœur, attention mon frère, au grand ciel pour gérer, au grand rendez-vous à maintenir. Ou pas qu'à perdre du salut. Regardez quand on est sorti là, sous senti quand on est pas bon.
pardon pour vous sortir là. Sous senti risqué, Père Dieu, mon Dieu, sortir là. Sous senti contrôle difficile pour vous, sortir là. Sortir. Dégagez pour avancer. Parce que trompette n'a pas longtemps sonné. Dégagez pour avancer. Ou pas de perdu salut éternel. Dégagez pour avancer. Ou pas de perdu. Même Jean, homme de Dieu a dit, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point, amen, qui n'ont point cette espérance. Il dit, voilà ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restons pour l'avènement du Fils de l'homme. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ, amen, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, bien chers, nous pourrons monter ensemble dans le ciel là, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous prenons la présence, mon Dieu. L'arrivé en haut, m'a gardé Élie dans les yeux, m'a gardé Moïse dans les yeux. L'arrivé, faut nous et Daniel, l'arrivé, faut nous et Apôtre Paul, faut nous bailler Pierre en plein main, faut nous bailler Jean en accolade. Amen, amen. Lorsque nous arrivons dans la cité, ça, pas de grand goût, pas de la peine encore, pas de maladie encore, nous prenons la présence de l'éternel. M'a qu'on soit d'accord, mais dégage, qu'il y ait salou dans mes mains. Même si tout le monde a fait bac, qu'il y ait un salou dans tête, même si ouais, amen, ouais, tout le monde a couru aller, qu'il était là, pas oublier. C'est la tête qui mène le corps. Donc en réalité, kembe kassou dans tête tout et puis orientons vers l'avant, marcher pour aller vers l'avant jusqu'à ce que trompette la sonne. Pas quitter pièce difficulté, pas quitter pièce calamité, amen, pas quitter pièce épreuve, mettons en situation pour le dérouter salut, pour le dérouter dans marche évangélico. Autant de fois souffri, avancer pirède, autant de fois ou vécu, avancer pirède, autant de fois regarder monde cap chuté, monde cap abandonné. C'est pas deux monde cap quitter l'évangile non, et pas deux je dis à cap quitter l'église, mais m'a demandé mon frère, m'a demandé ma soeur, ou arriver ou sortir trop loin, ou faire trop effort déjà, ou pas qu'arriver là pour perdre du salut, ma soeur, mon frère, ou faire trop effort déjà, ou souffrir trop, ou goumer trop, ou pas qu'arriver là pour le perdre du salut, m'a connu qui l'or, qui j'en couéli, mais pendant pas de veiller comme ça, pendant nous pas même à penser à ça, et puis trompette la cassonner, en vérité, m'a d'un bagaille, souhaiter que mes femmes effort, le ciel qui route l'a fait, à la belle, ça va le belle, l'en belle marcher dans la cité, mon Dieu, ça. Nous pouvons marcher dans la nouvelle Jérusalem, ça. Pas de maladie encore. Pas de stroke. Pas de comprendre tension. Pas de sucre encore. Pas de pour faire dialyse dans le sang. Pas de problème. Pas de problème. Amen, amen. Quand mettons dans la situation toute la journée, nous parlons de santé parfaite. Nous parlons de corps parfait. Nous parlons de relation parfaite avec notre Seigneur, notre Rédempteur. Donc maintenant, je me sens évident à ce que moi avais pour nous avancer dans le chemin. Même si la raide n'a pas avancé, la terrible n'a pas avancé, bagala difficile n'a avancer. Chers frères et sœurs en Christ, moi espérer ou qu'aimer là, mettez cassalou dans tête tout, et puis marcher tout sauvé, persévérer tout sauvé, même si diable a voyé mon derrière, garder rester tout sauvé, même si diable a fait stratégie pour retirer l'évangile là dans main, rester tout sauvé. Qu'il en soit ainsi pour vous. C'est votre serviteur et ami, pasteur Lazare Robinson, du côté de New Jersey. Je suis pasteur de l'église Maison de Dieu en Jésus-Christ. Pour numéro de contact, s'ouvrez contactez-nous sous conseil, sous aide de prière ou bien au programme. On n'a aucun problème. Ou qu'à contactez-nous dans 862-212-95-43. Nous avons WhatsApp sous lit. Si vous avez contacté nous sur WhatsApp, ou qu'à contacter également dans le même numéro ça. Et nous prenons le plaisir pour nous dialoguer avec vous-mêmes. Qui a-t-il d'ouvrir le livre? Qui est capable de voir le sol? Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous glorifions nous infiniment pour compassion et miséricorde ou permettre que nous dormions, nous lever, passer une agréable journée. Merci pour cette soirée, merci pour cette matinée et merci pour cette journée. Bénis chaque frère, chaque sœur et capitaine des prières, ça, Seigneur, et qui prenne pour faire face avec la rue, et qui prenne sortir une activité, ça, pas le travail, ça, prenne un cours, ça, prenne l'activité dans le business, Père, qu'on va accompagner, et permettre que casse lui, va arrêter dans la tête, côté au passé, pour vivre tout sauvé, parler tout sauvé, faire tout ça, faire tout sauvé dans le nom de Jésus. Merci Père d'avoir été de notre et la promesse Julien Namon. Permettre au Dieu, il va bonne et il va agréable. Infiniment nous t'en prions au nom de Jésus. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la puissance, l'honneur, le respect, dès à présent et pour toujours. Et à lui soit tout. À celui